Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous l'exercice suivant. On a bien sûr, d'après cette figure, on veut déterminer et calculer l'aire du petit cercle en rouge. Bien, passons maintenant aux énoncés de cet exercice. On a ici un carré qui a pour longueur de côté 6 cm et on a bien sûr trois arcs. Deux cercles, le premier, le deuxième et le troisième. Et entre ces trois arcs, on a défini un petit cercle en rouge qu'on veut calculer son aire. Bien. Donc, pour calculer l'aire de n'importe quel cercle, on doit calculer le rayon de ce cercle. Donc, pour cela, on doit calculer la valeur du rayon pour trouver la valeur de l'aire du cercle. Donc, pour cela, on va commencer par cette distance. Cette distance, c'est quoi? Cette distance, c'est le rayon du quart du cercle ici, qui est bien sûr la distance 6, qui est la longueur du côté de ce carré. Par suite, cette longueur est égale à 6. Pour la longueur qui lie ce point-là du carré avec le centre de ce cercle, c'est quoi? C'est 6 qu'on a déjà traité, moins cette distance, cette petite distance, qui est bien sûr le rayon petit r. Donc c'est 6 moins r. 6 moins r. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer la projection orthogonale du centre du cercle sur la droite horizontale. Et on va utiliser ici un triangle qui est un triangle rectangle. Donc on va déterminer la longueur de ces deux autres côtés. Pour cette longueur, à quoi est égale cette longueur? On sait que ce carré, il est bien sûr, il a pour longueur de côté 6. Et pour ce demi-cercle, il a pour rayon 3. Par suite, on peut obtenir deux demi-cercles, un en haut, l'autre en bas, c'est-à-dire que la distance que j'ai tracée ici entre ce point et ce point, c'est 6 divisé par 2, qui est égal bien sûr à 3. Et cette petite distance, c'est quoi? C'est le rayon petit r. Donc la distance maintenant qui lie le centre O du petit cercle avec le projeté orthogonal de ce centre est égal à r plus 3. Pour l'autre distance, ou bien la longueur de troisième côté, c'est quoi? Bien sûr, lorsque je continue bien sûr à tracer cette droite, je vais trouver bien sûr que c'est la moitié de 6, c'est-à-dire c'est 3. Par suite, on a trouvé maintenant que on peut utiliser un triangle rectangle qui a pour longueur de côté r plus 3, 3, et pour l'hypoténuse, 6 moins r. Donc, après, on va utiliser ici la propriété de Pythagore. Donc, 6 moins r, le tout au carré, est égal à r plus 3 au carré plus 3 au carré. Après développement, on va trouver que 36 moins 12r plus r carré égale à r carré plus 6r plus 9 plus 9. Après, on va simplifier par le r carré. On va trouver moins 12r moins 6r est égal à 9 plus 9, c'est 18, moins 36. Finalement, on va trouver moins 18r égale à moins 18. Donc, r, après simplification, on va trouver que le rayon petit r du petit cercle en rouge est égal à 1. Donc, maintenant, si j'ai un cercle qui a pour rayon, bien sûr, 1, son r, à quoi est égal à pi fois r carré, qui est égal maintenant à pi. Par suite, l'aire de ce petit cercle qu'on a considéré dans cet exercice est égal à pi parce que son rayon est égal à 1. Merci.